Bon, je sais, t'es déçu, il n'y a pas de clip cette année. Pourtant, l'année dernière, c'était un carton. Regarde. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper et t'imposer sans répit. Pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. Tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénères, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te sucera jusqu'au fond. Ouais, ça y est, je me suis assagi, plus de maillot de Jordan, plus de clips, plus rien, c'est quoi cette chaîne? Bon, ok, aujourd'hui, on va reparler du sujet que t'adores le plus. D'ailleurs, c'était la 4e vidéo la plus vue sur toute ma chaîne. Et oui, tu kiffes ce sujet, c'est la fiscalité, les impôts, les taxes, tu kiffes ça, je sais, t'aimes bien payer, t'aimes bien raquer. Et aujourd'hui, tu seras servi parce que je vais parler de fond en comble, comment payer sa crypto-monnaie liée à la fiscalité. On en parle tout de suite, c'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci fiscalité. On est en pleine période de déclaration d'impôts et tu dois te demander, mais qu'est-ce que je dois payer sur ma fiscalité de la crypto-monnaie? J'ai investi l'année dernière au moment du bull run. Et ben déjà, spoiler alert, si t'as investi en octobre, et ben t'as strictement rien à payer parce que tu es en moins-value. T'as perdu moins 50%. C'est déjà pas mal. Enfin, j'espère que t'es positif. Hein. Non, trêve de plaisanterie. Eh ben aujourd'hui, on va parler de l'imposition de la crypto-monnaie. Alors déjà, je veux juste t'avertir. Je te dis à chaque fois dans les vidéos que je suis aucunement conseiller financier et je suis encore moins conseiller fiscaliste. Là, ici, j'ai fait mes recherches. C'est le fruit de l'interprétation par rapport à mes lois. Alors oui, cette vidéo va être revue et revue par des spécialistes en fiscalité qui vont valider cette vidéo-là. Mais je suis juste un mec lambda qui te parle fiscalité. Donc, si tu veux vraiment vérifier et être sûr à 100% sans, sachant que la loi elle change tout le temps, déjà je te mettrai des informations en description ou en commentaire épinglé, mais surtout va te renseigner auprès d'un spécialiste en fiscalité avant de faire quoi que ce soit. Voilà, au moins moi je suis tranquille. Et on va parler ici de la fiscalité en 2022 pour l'imposition en 2021. L'intro que je t'ai montré c'était par rapport à la vidéo de 2021 et là on va faire un update, c'est à dire une mise à jour de la loi par rapport à la crypto-monnaie, et ce en France. Donc si tu es en Belgique, si t'es en Suisse, tu peux regarder ça en mode divertissement, mais ça ne concerne pas directement. Et oui, ici, on va se cantonner à la France parce que je suis français et que la fiscalité de la crypto-monnaie en France est déjà assez compliquée. Mais tu peux mettre en commentaire si t'es du Portugal, si t'es de la Suisse, du Canada, peu importe ton pays, quelle est l'imposition par rapport à ton pays, et ça nous éduquera et on dormira moins bête. Alors, j'ai pris mes petites notes. Ah oui, juste une chose, vu que c'est un travail de dingue, eh ben, je te demanderai juste une chose, de liker, de t'abonner à ma chaîne et de déclencher la petite cloche. Ça permettra d'aider la chaîne et ça me soutiendra dans ce travail de fourmi. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que là ici on va parler théorie mais on va parler également pratique, et j'inviterai en exclu live Pierre de Waltio comme l'année dernière pour lui poser des questions pratico-pratiques, les changements par rapport à l'année dernière et des cas particuliers. Donc reste branché. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire si tu as investi dans la crypto-monnaie l'année dernière? Si tu as investi cette année en 2022, à partir du 1er janvier, il faudra que tu le déclares en 2023. Là ici, je parle pour tous ceux qui ont investi l'année dernière et seulement l'année dernière. Donc la première chose à faire, c'est déclarer tes comptes à l'étranger. Là ici, on parle pas de crypto-monnaie, mais on parle de banque à l'étranger type Revolut. Les sièges sociaux sont à l'étranger et donc tu dois déclarer ces comptes-là, donc les comptes bancaires pour schématiser le truc. Et ça se passe via le formulaire 3916. Et donc si tu as créé un compte en 2021 N26 Revolut, eh ben il te faut le déclarer cette année via le formulaire 3916. Il faut que tu fasses un formulaire par compte. C'est très rapide et t'as pas besoin ici de mettre les montants que tu as investi dedans ou que tu as sur la plateforme. Il faut simplement que tu donnes les informations de sièges sociaux. Donc ça, en général, tu peux le retrouver en bas de page ou dans la rubrique contact du site en particulier. Et que le site soit actif, inactif, dormant, peu importe, il faut que tu le déclares. Il faut que tu le déclares à la création et il faut que tu le déclares si tu l'as fermé. Donc admettons, tu l'as ouvert en 2021, il faut que tu le déclares en 2022. Et si tu le fermes en 2022, il faudra que tu le déclares en 2023. Plutôt simple. Et donc ça, c'est via le formulaire CERFA 3916. Et si tu ne le fais pas, eh ben, tu t'exposes à une amende jusqu'à 1 500 € par compte. Donc ça peut faire mal. Et deuxièmement, il faut que tu déclares tes plateformes crypto. Donc Binance, Bybit, Crypto.com, FTX, tout ça, il faut que tu le déclares via cette fois-ci le formulaire 3916 bis. Il y a juste le bis en plus qu'il faut rajouter. Et ça, il faut également faire un formulaire par plateforme. Et ça te prend 5 minutes top chrono. Sauf si tu en as une dizaine
un peu comme moi. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et là encore, pas besoin de mettre de montant, tu mets juste la date d'ouverture, la date de fermeture de ce compte-là et tu mets l'adresse du siège social. Donc, tu retrouves également sur le site internet de cette plateforme. Et si tu ne le fais pas, eh ben, le service des impôts peut revenir jusqu'à 10 ans en arrière toute plateforme où tu possédais plus de 50 000 euros et peut venir jusqu'à 3 ans en arrière pour toutes les plateformes où tu as moins de 50 000 euros. Et si tu galères à trouver la date d'ouverture, ce que je te recommande, c'est d'aller voir dans tes mails et tu tapes la plateforme en question crypto.com et tu vois le premier mail crypto.com et tu mets cette date-là, la date d'ouverture. Et oui, parce que tu as reçu en général un mail à l'ouverture de ce compte-là, donc tu as juste à le retrouver dans tes mails et tu mets cette date-là. Et ce que je te recommande, c'est de garder une copie de ces déclarations au cas où. Et une fois que tu as déclaré tes plateformes, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque tu as de la crypto-monnaie et tu fais de la plus-value dessus? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 30% d'impôt sur la plus-value et ce seulement à une seule condition. C'est-à-dire que si tu as échangé de la crypto contre de la crypto et t'es resté full crypto, c'est-à-dire que tu as acheté via des euros du Bitcoin, le Bitcoin tu l'as échangé en USDT, tu l'as échangé après en Ethereum, en Polkadot, en Shiba Inu, bah déjà Shiba Inu t'aurais perdu grave, donc là c'est de la moins-value, c'est pas de la plus-value, bon blague à part, mais si t'es resté full crypto, c'est-à-dire crypto sans passer par la case euro, et ben là t'as rien à faire. Et là tu peux siroter un cocktail sur le transat tranquille aux Bahamas. Mais si t'es passé par la case euro, on dirait que je parle du Monopoly, et ben si t'es passé par la case euro, c'est-à-dire si tu as échangé du Bitcoin contre du dollar, du vrai dollar ou de l'euro, et ben là tu es passé par la case euro et là c'est complètement différent, et ben tu es censé déclarer ton impôt sur la plus-value ou ta moins-value, en gros faire le calcul, et si plus-value il y a, et ben tu es imposé à hauteur de 30%. Donc prenons un exemple concret, tu as investi 1000 euros dans le Bitcoin et le Bitcoin a doublé et c'est devenu 2000 euros. En gros, tu aurais fait 1000 euros de bénéfices et sur ces 1000 euros, et ben tu es imposé à 30%. Donc en gros, tu es passé de 1000 à 2000 et tu vas payer 300 euros d'impôts et il te restera 1700 euros. 1000 euros ton investissement de départ et 700 euros de bénéfices. Et tu dois te dire, tiens, si j'ai investi 1000 euros, je suis passé à 2000 euros et je retire 1000 euros en pensant en retirer que mon investissement de départ. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu mets 1000 euros, ça se transforme en 2000 euros. Et ben tu paieras la moitié des 30%. Donc admettons, et ben sur les 1000 euros que tu vas retirer, et ben tu vas payer 150 euros. Et une fois que tu as payé les 30% de plus-value, et ben tu n'as strictement rien d'autre à payer. C'est-à-dire que sur les 30%, tu as 17,2 de prélèvements sociaux et tu as 12,8 d'impôt sur le revenu, ça m'est revenu. Et donc si jamais tu as acheté du Bitcoin avec des euros et ensuite ce Bitcoin tu le revends en euros, et ben là c'est ce qu'on appelle un cash in, c'est-à-dire que tu auras converti des euros contre du Bitcoin, donc c'est ta cession cash in. Donc là ça sera un cash in, un investissement de départ, et si tu convertis du Bitcoin contre des euros, c'est ce qu'on appelle le cash out, ça sera la transaction de sortie. Et donc pour chaque entrée et pour chaque sortie, tu es censé noter sur un fichier Excel ou sur un papier, peu importe combien t'as investi au départ et combien t'as ressorti à l'arrivée. Ça te permet de calculer ta moins-value ou ta plus-value. Et chaque cash-in, chaque cash-out, eh ben, t'es censé le noter pour faire ensuite ta déclaration d'impôt. Et si ça te prend déjà la tête, t'inquiète pas, il y a une solution assez simple. Je vais t'en parler dans la suite de la vidéo. Ça va t'enlever un mal de crâne. Et ensuite, chaque transaction, tu dois le mettre sur le formulaire 2086. Tu dois mettre toutes les transactions une par une. Donc si t'en as une centaine, bonne chance à toi. Et ta plus-value est calculée sur ton portefeuille global. Donc ça veut dire que, admettons, tu prends une carte crypto.com, tu dépenses avec de la crypto, et ben t'es dans la... Ouais, j'ose pas le dire. Non, plus sérieusement, à chaque fois que tu vas payer en crypto, et ben il faut que tu fasses un calcul de quel est ton portefeuille global. Donc quand je dis global, c'est toutes les plateformes, ça veut dire crypto.com, Binance, tout, Celsius, BlockFi, etc. à cet instant T. Donc c'est très très compliqué. Donc en général, si tu utilises une carte crypto, que ce soit une carte Binance, une carte crypto.com, le mieux c'est de mettre des euros dessus, de dépenser avec des euros, d'avoir un cashback en crypto, et là t'as pas de prise de tête, t'as pas de calcul à faire, puisque en fait, tu es resté avec un investissement en euros. Et ensuite, une fois que tu as fait toutes les transactions, le calcul du cash in, le calcul du cash out, il faut que tu reportes la totalité, c'est-à-dire ta moins-value ou ta plus-value, sur le formulaire 2042C. Ça fait le quatrième formulaire. Et voilà, tu es à peu près clean sur toute la partie crypto-monnaie. Et si tu as envie de t'enlever un mal de crâne, eh ben, je vais te parler juste après de la plateforme Waltio. J'en ai parlé déjà l'année dernière, donc ça se trouve, tu connais la plateforme. Waltio, eh ben, ne sponsorise aucune
aucunement cette vidéo, c'est simplement ici pour te montrer qu'il y a un service qui te permet d'automatiser la gestion de ton cash-in, de ton cash-out, du calcul des transactions et du calcul de tes impôts. Waltio propose de faire les calculs pour toi, tu as juste à mettre les API, c'est-à-dire les informations de chaque compte, et ensuite il va mouliner, il va regrouper toutes les informations et te faire le calcul tout seul et te sortir tous ces formulaires de façon quasi automatique. Et d'ailleurs, Waltio propose un livre blanc, t'as qu'à le lire, je vais te le mettre en description, sur lequel il t'expose tout ce que je viens de dire là aujourd'hui. Et si tu utilises mon lien, je crois que c'est Julien Roman 10, et ben t'as 10% de promo sur la plateforme Waltio, donc n'hésite pas à l'utiliser si tu veux bénéficier de ses services. Et donc, dans la session questions-réponses avec Pierre, on va parler stacking, on va parler d'NFT, on va parler de tout ce qui est lié à la crypto-monnaie avec des questions pratico-pratiques que tu m'as posées sur Instagram, sur Twitter et même sur YouTube. On passe tout de suite et on va dire bonjour à Pierre. Go ! Bon, nous voilà de retour avec Pierre de Waltio. Donc Pierre, comme je vous disais, c'est une solution qui vous permet d'automatiser la déclaration. En gros, ils vont prendre toutes les données par rapport aux différentes plateformes et ils vous proposent de calculer de façon automatique la plus-value et la moins-value, s'il y a, et de faire une déclaration très simple. Donc, c'est une solution française. Pierre, justement, bah, toi qui es mieux placé que moi pour parler de Waltio, présente-nous un petit peu qu'est-ce que Waltio, quels sont les services et comment ça fonctionne. Rapidement, Waltio, c'est un outil qui aide à calculer et à déclarer ses plus-values. À partir de là, nous, on va se connecter sur les comptes, c'est-à-dire les plateformes d'échange centralisées, les blockchains, on fait ça de façon sécurisée, on va récupérer les informations, on va les lire en fait. À partir de là, nous, on a codé le droit fiscal, donc on va aider à calculer le montant de plus-value et automatiquement, on va générer les liasses fiscales, les différents formulaires. Comme ça, les 5 millions de Français qui détiennent des crypto-monnaies peuvent, sans s'arracher les cheveux, rapidement et facilement calculer leur plus-value et les déclarer tous les ans. Ok, et après, on verra les solutions et les différents services que tu proposes, je pense, en fin de vidéo. Justement, en première partie de cette vidéo, je parlais de comment se calculer la fiscalité, qu'est-ce qu'il fallait faire, quels sont les updates, la mise à jour en 2022 par rapport à 2021. Est-ce qu'il y a eu des changements? Si oui, quels sont-ils? C'est toujours le même régime fiscal, qui est donc le régime fiscal des plus-values en actifs numériques, qui a été mis en place le 1er janvier 2019. Toujours le même, avec les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Il y a eu cette, en gros, on a vu cet hiver une loi de finances, c'est-à-dire des nouvelles propositions de loi qui ont été discutées. Il y en a eu 9 propositions qui ont été débattues à l'Assemblée nationale, il n'y en a que 2 qui ont été retenues. Et ces 2 propositions, il y en a une qui, en fait, pour les revenus d'un foyer fiscal qui sont, alors, le chiffre exact, je crois que c'est 28 000 euros par an, donc, on va dire revenu moyen ou modeste. Ben en fait, il y a la possibilité de ne pas avoir le taux à 30%, mais en fait de choisir le barème progressif sur l'impôt. Donc, c'est-à-dire, ça permettrait pour les revenus moyens, les foyers fiscaux ou modestes, de ne pas avoir ce taux de 30% et d'avoir un taux plus bas. Et deuxième chose, c'est de préciser la différence entre une activité de trading occasionnelle et professionnelle. Maintenant, une chose, c'est que bien que cette loi ait été votée, elle va être mise en place le 1er janvier 2023. Donc, pour cette année, ça ne change rien. Ok, donc pas de changement 2022 par rapport à 2021. Justement, est-ce que tu peux éclaircir ce point, parce que j'en ai pas parlé au niveau de la première partie de la vidéo, le fait de le distinguo entre investisseur occasionnel et professionnel, parce que la taxation n'est pas la même. Exactement. Un occasionnel, ça va être quelqu'un qui va, on va dire, s'occuper, avoir une gestion même active hein, de son patrimoine de crypto-monnaie et qui va en faire de une fois, on va dire, de temps en temps, un professionnel va en faire son activité, son métier, va générer des revenus réguliers. Donc, ça va être beaucoup plus quelqu'un qui va passer plusieurs heures, même plusieurs, enfin, comme un métier par jour. Et en effet, les taux d'imposition, les modalités sont bien différentes. Occasionnel, c'est ce qu'on appelle le taux d'imposition unique, flat tax, PFU, 30%. Et professionnel, c'est les bénéfices industriels et commerciaux, très souvent. Ceux qui déclarent de façon occasionnelle, on conseille en tout cas, c'est d'aller voir un avocat fiscaliste qui est spécialisé en crypto-monnaie pour justement s'assurer de la qualité, enfin la qualification pardon, de l'activité et aussi comment déclarer ses revenus pour toute personne qui fait ça de façon professionnelle. Et donc occasionnel c'est 30% et professionnel c'est 70%.
Non, alors ça monte, c'est crescendo, donc c'est le taux marginal d'imposition, donc ça va dépendre de la quantité de revenus du foyer fiscal. Ça peut aller avec les prélèvements sociaux dans certaines situations jusqu'au taux que tu as annoncé, mais ça varie du montant en fonction du montant de gain. Maintenant, okay. De façon générale, quand même, la grande majorité des individus, des Français, des contribuables français, des résidents fiscaux français même, sont, on va dire, exercent une activité qui est qualifiée d'occasionnelle dans leur gestion, leur trading de crypto-monnaie. Donc voilà, toi, tu conseilles effectivement, lorsqu'il y a un flou, lorsque quelqu'un doute sur le fait qu'il soit en gros particulier ou professionnel, d'aller voir un avocat spécialisé dans la fiscalité, parce qu'effectivement, il y a certains critères qui sont un peu sujets à interprétation, c'est-à-dire que c'est selon si les revenus créés en termes de trading sont au-delà des revenus classiques, le nombre de transactions, enfin, il y a différents critères qui peuvent requalifier en professionnel. Est-ce que tu as quelques critères? Parce que j'en ai exposé deux, mais il y en a plein. Non, il y en a beaucoup. Alors, pour être honnête, il y en a vraiment beaucoup. La fréquence des trades, le montant des trades, les moyens mis en œuvre aussi. Au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment une logique de, est-ce qu'on est abonné à des revues, on a du matériel spécifique. Après, il y a tout un sujet aussi. Est-ce qu'on a un métier à côté? Un exemple très basique, mais quelqu'un qui n'a pas de métier soit au RSA, par exemple, et réalise beaucoup de trades, il a de fortes chances d'être qualifié comme un professionnel. Quelqu'un qui a un métier à côté de, je sais pas, d'informaticien, développeur, on va dire, a moins de chances d'être qualifié. Ça va dépendre vraiment d'un grand nombre de critères. Et c'est pour ça qu'on se disait, en effet, à partir du moment où on a le doute, on se renseigne un peu. Si vraiment on continue à avoir des doutes, nous, on a partagé un certain nombre d'informations. Il y en a sur notre FAQ, on précise aussi. Je pense que c'est pertinent d'aller voir un avocat fiscaliste, ne serait-ce qu'une consultation d'une demi-heure, une heure peut guider, on va dire, dans le choix. Ok. Donc ça, c'était par rapport à la mise à jour de la fiscalité en 2022. Donc en gros, il n'y a pas de changement et il y en aura l'année prochaine, par contre. Mm-hmm. Parlons un petit peu de la quête des fiscalités. Avant de passer d'ailleurs aux questions des abonnés, parlons un petit peu de la fiscalité qui est propre au NFT. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ouais, déjà, c'est un sujet qui est passionnant. Pour être très honnête, aujourd'hui, le NFT n'est juridiquement pas défini en France dans les textes de loi. C'est-à-dire que concrètement, il y a un flou juridique sur ce qu'est le NFT. Et donc, à partir de là, la définition de l'actif numérique, qui est la notion de crypto-monnaie en droit français, n'inclut pas aujourd'hui telle qu'elle est le NFT. Donc, plusieurs régimes pour les NFT pourraient en fait être utilisés. Le régime des œuvres d'art, des biens meubles et des crypto-monnaies. Et en même temps, à chaque fois, si on regarde le régime, il y a toujours des moyens de justifier qu'aucun de ces régimes serait semblable, les NFT correspondraient à ce régime. Donc, premier point, même sujet, je pense qu'une personne qui génère des revenus significatifs en NFT, s'il veut dormir tranquillement et là, c'est aussi une bonne idée d'échanger avec un avocat fiscaliste à nouveau qui est spécialisé en crypto-monnaie, parce que lui ou elle connaîtra, on va dire, ce type de problématique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on propose, pour des raisons pratiques, de dire vous pouvez, dans ce cas-là, au sein de Wealthio, faire comme si les NFT, c'était des actifs numériques. Il y a quand même des chances que ça puisse correspondre à ça, à des digital assets en anglais. Et donc, dans ce cas-là, l'achat d'un NFT avec une crypto-monnaie n'est pas un fait générateur d'impôts. C'est-à-dire qu'il faut le suivre dans votre portefeuille pour le valoriser. Par contre, ce n'est pas un événement, une cession imposable, un événement taxable. Et pareil, la vente d'un NFT contre une crypto-monnaie n'est pas non plus, ou d'un NFT contre un autre, n'est pas non plus un événement taxable. Mais bon, il faut les suivre via vos wallets. Soit vous-même manuellement, soit via un logiciel tiers. Ok, c'est très très clair. Donc ça, c'était pour la partie NFT. Passons maintenant un petit peu aux crowd loans. En aparté à côté, on en parlait. Est-ce que tu peux, tu l'avais très bien exposé, à quoi correspondent les crowd loans spécifiquement? En fait, c'est un mécanisme qu'on a vu éclore sur la blockchain Polkadot,
qui permet de financer des projets via un système d'emprunt où on bloque les fonds pendant un moment. Et nous, on a vu surtout la communauté en France s'est développée. Donc, c'est un sujet que maintenant, on couvre beaucoup mieux. Enfin, on couvre même complètement. Pareil, quand on séquestre des fonds, ils vont rester dans le portefeuille. Et après, tous les revenus des crowd loans doivent être ajoutés au portefeuille, au sein du portefeuille d'actifs numériques. On parle du principe que ça ne constitue pas un fait générateur d'impôts, c'est-à-dire que le fait de recevoir ces récompenses n'est pas un événement taxable, mais au moins ça va s'ajouter au portefeuille d'actifs numériques avec un prix total d'acquisition de zéro. Ça veut dire en fait, concrètement, on paye, si on gagne, on va dire 100 de récompenses, on paiera 30% sur ces 100 perçus. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, si on a, admettons, un token ou quelque chose, en fait, c'est à valeur zéro et c'est à partir. Et admettons, ça vaut 100 dollars. Si admettons, ça passe à 200 dollars, en gros, on va payer 30% des 100 dollars de bénéfices. On dit à valeur zéro. C'est ça. Hein. Quand on dit à valeur zéro, on le perçoit, il est à 100. Après, la valeur va s'envoler à 200. On paiera 30% sur les 200, c'est-à-dire sur le montant reçu et sur la plus-value. Parce qu'en fait, au moment où on l'a reçu, on n'a pas payé d'impôt dessus. Ok, bah, c'est très bien que tu aies précisé cela. Donc ça, c'était pour les crowd loans. Passons maintenant aux questions-réponses. Ah oui, j'ai dit, la première question en fait, d'un abonné, c'était s'il y avait plus-value sur Binance et pas sur les autres. Est-ce qu'on peut ajuster la déclaration de la plus-value sur Binance ou il faut donner les API de toutes les plateformes, même s'il n'y a pas de plus-value dessus? C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il y a une déclaration du portefeuille global, lorsqu'il y a une revente en fiat, il faut prendre le portefeuille global et pas seulement d'une seule plateforme. Exactement. C'est une excellente question parce qu'en fait, il faut aujourd'hui, pour calculer ses plus-values, prendre en compte tout son portefeuille. Son portefeuille, c'est-à-dire toutes ses plateformes d'échange, qu'il y ait des transactions crypto-euro ou pas, donc même celles qui font que du crypto-crypto, qu'il y ait un KYC ou pas, tous ces exchanges, tous ces wallets aussi, que ce soit étrangers, que ce soit des hardware wallets, software, il faut vraiment l'intégralité de son portefeuille. En fait, le régime fiscal français, il a une notion qui est particulière, qui est la notion de valeur totale de portefeuille, qui veut dire en fait, il faut vraiment avoir l'exhaustivité. C'est clairement un peu intrusif hein, comme régime, mais il y a cette nécessité d'avoir toutes ces transactions. Donc, si on a fait seulement des plus-values, par exemple, sur Binance, dans le sens juridique, enfin dans le sens fiscal français, ça n'a pas trop de sens cette phrase, mais on est obligé de prendre en compte vraiment tout son portefeuille pour les calculer. Parce que si on pense qu'on a fait que des plus-values sur Binance, mais qu'on a aussi l'argent, je sais pas, sur un wallet, ça doit être intégré pour avoir un calcul de la plus-value qui soit correctement pondéré en fonction de cette valeur complète du portefeuille. Donc, humainement parlant, c'est impossible de faire sa déclaration d'impôt sur la plus-value ou de moins-value sans Waltio, enfin sans faire de pub à la plateforme. Mais ça veut dire qu'à l'instant T, comment tu fais? Si tu n'as pas Waltio, comment tu fais? Tu peux quasiment pas le faire. Je me suis mis à le faire sur Excel, mais au début. En fait, il faut vraiment avoir fait très très peu de trades. Oui. Il ne faut pas avoir 36 plateformes. Dès que tu as 2-3 plateformes ou plus, c'est quasiment impossible de savoir quelle est la valeur de ton portefeuille global, sauf si tu le mets, admettons, sur une application qui regroupe toutes tes plateformes, éventuellement, et il y en a qui existent, comme Delta ou autre. Mais ça veut dire qu'au moment, si admettons, tu prends une carte crypto et tu payes en crypto ta baguette le matin, et ben, il faudrait que tu fasses un snapshot du total de ton portefeuille sur Delta pour pouvoir faire ton calcul sur la plus-value. Même si dans la première partie de la vidéo, je ne préconisais pas d'utiliser les cartes crypto.com avec de la crypto, mais plutôt avec des euros, ce qui permet d'éviter par la suite de devoir faire ce calcul barbare, compliqué à faire. Alors, je suis d'accord. Juste un point. Pourquoi avec Delta, ça ne pourrait pas fonctionner? Parce qu'on a une notion qui est le prix total d'acquisition, qui est le montant investi en crypto-monnaie. En fait, sur Delta, on peut avoir un flash de son portefeuille à un instant T. Par contre, si on a fait plusieurs investissements en fiat, et c'est souvent le cas dans le temps, sur différentes plateformes, de différents moyens, on ne va pas être capable de suivre chacune de ces opérations pour être capable de correctement. Donc, on peut de connaître le montant investi en fiat, en plus la valeur totale de portefeuille. Donc, si on fait une seule opération de vente, une seule opération d'investissement, qu'on a très, très peu de comptes, un ou deux,
et peu de transactions et très peu de crypto-monnaies, ça, je pense que ça peut être fait manuellement. Par contre, il faut appliquer la formule, il faut aller se farcir sur la formule. À partir du moment où les transactions s'étalent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs plateformes et plusieurs coins aussi, surtout les notions de crypto qui vont vachement perturber. Je pense que ça devient relativement complexe au bout d'un moment. Et le risque d'erreur, en fait, est surtout élevé quoi, à partir de ce moment-là. C'est bien parce que je te donne une perche pour vendre Waltio et toi, tu fonces pas dedans et tu restes anti-commercial, même si franchement, c'est une prise de tête de dingue. Mais ouais. C'est bien, je reconnais ton intégrité là-dedans. J'avais parlé un petit peu, est-ce que Waltio était dispo pour la bourse? Tu m'as dit non, parce qu'il y a déjà assez de travail sur la crypto. Après, c'est vrai qu'il y a des plateformes qui permettent de... par exemple, Trade Republic, que j'utilise moi personnellement, permettent de faire le calcul, ou en tout cas de donner un document pour la déclaration par la suite. Mais pour l'instant, vous n'avez pas de vocation à vous mettre sur la bourse. Alors déjà, on a pour vocation de prendre de plus en plus la DeFi, ça a été le gros travail de cette année. À terme, moi, je pense que les NFT seront perçus comme des actifs numériques, donc ce sera aussi à prendre en compte. À aussi ouvrir davantage aux entreprises donc pour qu'ils doivent gérer leur comptabilité, ouvrir d'autres pays. Voilà nos gros projets. Donc, il y en a déjà pas mal, on a du boulot. Je pense aussi rendre l'outil plus intelligent. C'est très bien d'avoir un outil qui permet de suivre des dizaines de millions de transactions. Maintenant, si on veut vraiment avoir un outil qui accompagne des millions de personnes, il faut qu'on le rende aussi davantage intelligent. Donc non, couvrir en fait la bourse dans le sens CAC 40, dans le sens instrument financier, pour moi c'est un autre produit. Déjà, c'est des méthodes de calcul, de valorisation. La bourse, en fait, on ne peut pas échanger si on a une action, je ne sais pas, Danone, sur son compte Société Générale, on ne va pas l'envoyer sur son compte Trade Republic. Donc, on n'a pas cette notion de suivi de portefeuille, les méthodes de calcul et de valorisation sont différentes. Donc, c'est complètement un autre marché. Ok. Ma prochaine question était par rapport à la moins-value. Parce que là, ici, on parle de plus-value avec les 30%. Mais s'il y a moins-value, on doit le déclarer également. Non. Alors, si on reste crypto, il n'y a pas besoin. Par contre, s'il y a une conversion crypto-euro et il y a moins-value, on est censé le déclarer? Alors, quand on parle moins-value, déjà, ou plus-value, ça veut dire qu'il y a eu une cession imposable, c'est-à-dire une vente de crypto-monnaie contre des fiat ou une utilisation des cryptos comme moyen de paiement qui a été réalisée. Quand il y a une moins-value qui est réalisée, les textes de loi disent qu'il faut la déclarer aujourd'hui. Concrètement, je crois que l'impôt, tu le payes sur le fait de gagner, on va dire, l'impôt dû, il est lié sur du gain. Donc l'impôt à payer. Là, en l'occurrence, s'il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'impôt. Alors, tu pourras avoir peut-être une pénalité en cas de non-respect de la législation, parce que si tu n'as pas déclaré des moins-values, mais en vrai, c'est quand même très tricky. La loi dit qu'il faut les déclarer. Maintenant, honnêtement, le risque de pénalité en cas de non-déclaration des moins-values plutôt faible, pour être tout à fait honnête. Peut-être que je me plante et je crois que je m'avance un peu trop sur le sujet, l'impôt, c'est sur un gain, c'est sur un revenu perçu. Là, on parle de moins-value, il n'y a pas eu de revenu perçu. Alors, une chose peut-être importante pour anticiper aussi un autre point, c'est que si on a fait une plus-value, par exemple, je ne sais pas ce qui a souvent été le cas en mars 2021, mais des moins-values en novembre ou décembre, quand les cours ont commencé un peu à baisser, c'est important de les calculer les deux, parce que la moins-value de novembre ou décembre va venir faire baisser la plus-value réalisée en mars en 2021. Et donc, va permettre soit d'amoindrir la plus-value, soit de l'annuler complètement. Donc, on fait en fait dans le régime fiscal, on calcule la somme de toutes les plus et moins-values réalisées sur l'année. Donc, c'est important de vraiment calculer toutes les plus et moins-values réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et les moins-values ne sont pas reportables d'une année à la suivante? Ça, pour le coup, nous, on s'était publiquement engagé pour que ce soit reportable. On avait accompagné des députés pour les présenter en commission des finances à l'Assemblée nationale, au Sénat. Ça a été défendu, mais ce n'est pas passé. Je ne lâcherai pas et on y reviendra parce que ce n'est pas normal. Dans plein d'autres produits financiers, ça l'est. Ce n'est pas normal que les cryptos n'aient pas accès à ça. Et on le sait tous, il y a des années où le marché monte de façon phénoménale. Il y a des moments de correction et on aura des années dans le rouge. Ne pas être capable de déduire ces moins-values,
c'est pas tout à fait normal. Ok, je suis d'accord avec toi. Prochaine question, c'était si on n'a jamais déclaré, c'est-à-dire qu'admettons quelqu'un qui s'est lancé en 2016 ou 2017, il n'a jamais déclaré, est-ce qu'il peut se remettre en conformité par rapport à la loi cette année et donc déclarer cette année alors qu'il ne l'a pas fait les années précédentes, comment ça se passe? S'il a fait une session imposable, admettons il se lance en 2017, en 2018, il échange de la crypto en euros, mais il ne le déclare pas. L'année suivante, et 2020, etc. Et 2021, ou 2022, on est en 2022. 2022, il décide, tiens, j'ai envie de me mettre dans les règles, j'ai envie de me mettre dans les clous. Est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Alors, il y a ce que dit la loi, ce qu'il faut faire, et nous, ce qu'on voit que certains de nos clients font. Ce que dit la loi, c'est si on n'a pas déclaré, on a un risque de pénalité. Et donc, dans ce cas-là, il faut informer l'administration fiscale de la non-déclaration des années antérieures et donc rattraper ces déclarations, donc déclarer les années antérieures. Nous, on a vu plusieurs de nos clients, je ne dis pas que c'est une bonne pratique, je ne dis pas que c'est fiscalement juste, mais on a vu vraiment plusieurs de nos clients qui ont fait ça, qui ont, dans leur déclaration de l'année dernière, joint d'autres opérations imposables réalisées l'année précédente. Et comme ça, d'une certaine façon, ils arrivaient complètement à prouver leur bonne foi en disant j'étais pas au courant, mais j'ai déclaré, donc j'ai payé l'impôt qui m'était dû. Ouais. Je ne m'engage pas sur le fait que ce soit une bonne pratique ou pas, que ce soit juridiquement, et en aucun cas on est responsable de réaliser cette opération. J'ai juste que c'est intéressant, ça a été une pratique qui a été réalisée par certains de nos utilisateurs et ils nous ont informés. Donc, j'ai pas de position, mais on n'est pas avocat fiscaliste, on est éditeur de logiciel, mais c'est une possibilité pour, on va dire, déclarer les années précédentes, les revenus qui ont été encaissés, mais qui n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale. Ok, et ça, j'en profite aussi pour préciser, et tu me diras si j'ai tort ou si j'ai raison, mais admettons, si j'ai investi en 2017 et j'ai toujours pas fait de transaction crypto euro, ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020, et j'en ai fait en 2021, c'est en 2022 que je vais déclarer mes transactions faites crypto euro en 2021. C'est-à-dire que si j'en ai fait en 2021, je peux déclarer en 2022, mais pendant 3 ou 4 ans, si je suis resté crypto, je n'ai pas besoin de le faire. Et si je l'ai fait en 2021, je le déclare en 2022, et là, on est dans les clous. Alors, si on n'a pas fait d'opération imposable, on n'a pas de revenus à déclarer, parce qu'on n'a pas fait d'opération imposable. Là, on parle vraiment de la partie déclaration des gains, formulaire 2086. On ne parle pas de la partie déclaration des comptes à l'étranger. Mais dans le cadre, je suis d'accord avec toi, s'il y a il n'y a pas eu d'opération imposable, donc de conversion contre des euros ou des paiements. Dans ce cas-là, en effet, pas de gains à déclarer et on les déclare que seulement l'année suivante, l'encaissement de ce revenu pendant la campagne de déclaration de revenus qui est parfaitement maintenant. Quoi. Ok, et j'en profite parce qu'on n'en a pas parlé. Quels sont les risques en cas de non-déclaration des plus-values? Alors, je t'avoue que je ne les connais pas par cœur. J'aime pas, entre guillemets, faire peur en disant voilà les risques de pénalité. Non, en vrai, je ne les connais pas. Je sais qu'il y a des majorations de 10% avec le délai. Il y a un risque pénal, d'ailleurs. C'est-à-dire, juridiquement, on peut aller en prison en cas de non-déclaration. Alors, d'ailleurs, on l'a vu aux US et en Russie, pour les crypto-monnaies. Il y avait aussi d'autres problèmes derrière. Mais je ne connais pas dans le tas. Je crois que c'est 1 500 € pour les formulaires en cas de non-déclaration de compte. Pour la partie purement non-déclaration des plus-values, je t'avoue que je ne l'ai pas, l'info. Ok. Donc, il y a un risque d'amende et un risque pénal. Beaucoup de personnes se posent la question, justement, si les plateformes qu'on déclare via le formulaire 3916 bis, admettons, si on prend des plateformes crypto, est-ce qu'elles communiquent avec le fisc français? Alors, oui et non. Et je pense que la question, elle est aussi, comment est-ce qu'ils communiquent? Il y a maintenant 2 ans et demi, il y avait je pourrais te l'envoyer le lien, un peu un coup de gueule de Kraken qui a dit, on en a ras-le-bol, les administrations fiscales de plein de pays dans le monde nous assaillent de demandes
Et nous, notre métier, on est une plateforme d'échange de crypto, ce n'est pas de répondre aux administrations fiscales, parce qu'évidemment, quand il y a une plateforme d'échange, tu n'as pas envie de te mettre, entre guillemets, mal avec les gouvernements étrangers. Et donc, elle dit, mais attendez, on passe trop d'énergie, c'est une équipe qui est dédiée qui doit répondre. Donc, est-ce qu'ils communiquent de façon, on va dire, automatisée, comme dans le monde bancaire, via ce qu'on appelle un EDI, un système d'échange de données informatisées? Non, donc il n'y a pas de protocole standardisé pour échanger des informations comme dans le monde bancaire qui est assez, assez fluide pour le monde bancaire. Maintenant, on voit qu'en fait, les États s'intéressent de plus en plus à ce sujet. Au début, c'était vraiment dans des buts de lutte contre le blanchiment d'argent. Ça évolue de plus en plus à des fins de lutte contre la fraude fiscale pour accéder, on va dire, au compte de ces individus et donc en termes de qui a fait quel type de transaction. Donc là, tu as répondu comme quoi c'était oui et non. Et s'il y a KYC, elle communique forcément ou pas non plus? Non, alors déjà, je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce que ça implique le KYC par rapport à l'imposition en France? Il n'y a pas trop de lien avec KYC. Par contre, s'il y a un KYC, il faut savoir que à partir du moment où la plateforme fait un KYC, elle a l'obligation d'identifier ses clients, donc identifier ses clients et de retenir, on va dire, conserver l'identité de son client, c'est-à-dire sa pièce d'identité, et en même temps son historique de transactions, dépôts et retraits. Concrètement, toutes les informations pour calculer ses plus-values, mais aussi pour retracer si le calcul de plus-value a été fait correctement. Est-ce que comment le fait qu'il y ait un KYC, pour le coup, faut pas croire que même si on fait un KYC, c'est anonyme parce que c'est des cryptos. À partir du moment où on fait un KYC, c'est-à-dire qu'ils ont une photocopie de notre carte d'identité, c'est quand même, c'est classé, c'est fichier, donc et c'est enregistré. Maintenant, les plateformes, oui, évidemment, les plateformes sans KYC ou même un wallet type Ledger. Ledger n'a aucune idée de qui est le propriétaire de ces Ledger. Et donc, à partir de là, directement sur la plateforme Ledger. Et donc, ton numéro de série est assimilé à ton adresse. Et encore, je pense que ce serait à voir et à valider avec Ledger. Je pense qu'ils mettent en place des systèmes pour éviter d'avoir l'identité de leurs clients et de surtout pallier, on va dire, une adresse, un nom, un prénom avec un numéro de série Ledger. Il me semble avoir justement entendu qu'ils travaillaient, ils faisaient en sorte de bien différencier les deux. Bon, après, il y a eu le leaks Ledger il y a quelques années, où les données ont été un petit peu fuitées. Mais il me semblait que si tu achetais une clé sur Ledger et à un moment, tu allais au SAV, et avec ton numéro de série, ils pouvaient retrouver l'adresse de la personne qui achetait la clé par rapport au numéro de série. Et après, ça vérifie. Moi, honnêtement, je suis pas un expert là-dessus. Si d'ailleurs il y a quelqu'un qui peut le dire en commentaire, et j'avoue que je serais heureux d'avoir la réponse. Mais en effet, ouais, si quelqu'un a l'info, je serais pas intéressé de le savoir. Moi, je pense pas, mais intéressé d'avoir la réponse. Ouais, également. Un tout autre sujet. À partir de combien de plus-value on est taxé? Je crois que le chiffre, c'est, tu l'as écrit, hein, de toute façon, c'est écrit 305. À partir de 305 euros de cession imposable, c'est-à-dire à partir de 305 euros de plus-value, c'est ça? Non? De vente. Ok, peu importe plus-value ou non. Si par exemple, tu achètes en crypto plus de 305 euros, tu es censé faire la déclaration. Exactement. Si tu utilises des crypto-monnaies pour acheter un service type payer Waltio ou n'importe quoi, en effet, il y a cette obligation de calculer, de déclarer cette plus-value. Hmm. Ok. Et après, une question par rapport… Alors, je ne sais pas si tu connais l'application Stepn. J'en avais parlé dans une vidéo. L'application qui permet de marcher, donc de générer des revenus. On crée donc une monnaie qui s'appelle le GST. Donc, Stepn est une app et il y en aura… de plus en plus, hein, qui est un move to earn, on aura de plus en plus de play to earn aussi. Est-ce qu'on doit déclarer ces applications en tant que compte à l'étranger, donc remplir un formulaire 3916 bis ou même 3916? Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces applications? Alors, pour ces play to earn. Ok, en tout cas pour les applications, la vraie réflexion à se dire, c'est est-ce que je détiens mes clés privées? Si je les détiens, c'est-à-dire c'est moi qui suis propriétaire de mon argent,
je ne dois pas renseigner ce compte à l'administration fiscale. Si c'est la plateforme qui détient mon argent, une plateforme d'échange, dans ce cas-là, oui, je dois la déclarer. Je ne connais pas assez bien Stéphane. Je crois qu'on n'a pas la clé privée, il faudrait que je vérifie, mais on a seulement une clé publique sur laquelle on peut envoyer des Solana ou même des NFT. Mais on n'a pas la clé privée, il faudrait que je vérifie. Mais effectivement, c'est un point d'ailleurs que j'avais noté par la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait, on possède la clé privée, donc type, si admettons Stephen, c'est le cas, ou type Ledger, on a la clé privée, on n'est pas obligé de déclarer. On peut le faire, non ? Mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, ce n'est pas obligatoire. Est-ce qu'on... Non, il y en a qui déclarent ça sert à rien de le faire, enfin. Ledger, ça ne sert à rien. Mais par contre, oui, s'il y a plus value, moins value à partir de ces portefeuilles-là, on doit les déclarer. En fait, il faut pas les déclarer comme des comptes détenus à l'étranger. Par contre, c'est important de les prendre en compte dans son calcul de la plus-value. Ouais. Donc, on a répondu à cette question-là. Donc, c'est selon si on a la clé privée ou non qu'on doit le déclarer. Voilà. Est-ce qu'on est responsable de stocker soi-même son argent donc, c'est-à-dire que c'est nous qui détenons la clé privée, ou est-ce que c'est une plateforme d'échange où là, pour le coup, c'est eux qui détiennent la clé privée et nous, on a juste un login et un mot de passe. Et donc, dans ce cas-là, ça, c'est eux qui ont nos liquidités, nos avoirs. Ouais, c'est la notion juridique qui les distingue. OK. Donc après, ça va être de plus en plus difficile. Il y aura de plus en plus d'applications, je pense, Play to Earn. Ça va être difficile en termes de données, d'avoir accès à combien j'ai investi, combien j'ai sorti. Ça va être hyper compliqué. Alors qu'avec une plateforme, on peut avoir l'historique des transactions. Avec les applications, ça va être hyper compliqué. Et Waltio pourra gérer ça par la suite via une API, parce que je pense que Stephen ne propose pas d'API, mais comment vous allez gérer ça ? Alors, comment on va gérer ça ? C'est toujours via la blockchain dans ce cas-là. Si on n'a pas un intermédiaire centralisé, on se connecte directement. Donc, on bosse avec les blockchains Elrond, Ethereum. Là, on parlait tout à l'heure des crowdloans de Polkadot. Donc, dans ce cas-là, on met les clés publiques et nous, on balaye tous les tokens, que ce soit fongible, non fongible, que ce soit les tokens de la chaîne ou les parachains. Et donc, on arrive à récupérer ces informations. Après, on se charge de les valoriser et de les prendre en compte dans le calcul de la plus-value. Mais j'avais une autre question qui me venait à l'esprit par rapport au play to earn, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Non, comment on les prend en compte, les play to earn, peut-être ? Tu vois, comment on prend en compte les play to earn, dis-moi ? Parce qu'on l'a déjà abordé, non ? Ouais, on l'a un petit peu abordé. Mais en gros, la notion de play to earn, c'est qu'on va avoir des dépôts, des récompenses qui vont être régulières. La logique, c'est la même. On les ajoute à son portefeuille de crypto-monnaie. Donc, ça ne correspond pas à un montant investi en crypto-monnaie. Mmh. Et une fois que c'est revendu, ça rentre dans la valeur globale du portefeuille. Malin. À valeur zéro, comme on en parlait tout à l'heure. Exactement. Mmh. Exactement. Tout à fait. Maintenant, ça, c'est une proposition pratique pour déclarer ses gains à l'heure actuelle. Il n'y a pas de texte de loi à l'heure actuelle qui dit le play to earn. C'est ça, et ça se doit se déclarer comme ça. C'est-à-dire que je pense que je suis même sûr, un avocat fiscaliste ou un juriste qui est un peu plus puriste que nous dira il faut faire une déclaration de bénéfices non commerciaux ou proposera une alternative. Mais l'idée étant d'avoir quelque chose de pratique, faisable pour toute personne qui veut être conforme avec la réglementation fiscale. Ok. Question par rapport à la DeFi. Donc, ça revenait un petit peu à Stephen, mais j'ai la réponse. Il n'y a pas forcément d'historique de transaction, mais comme vous disiez, comme tu disais, on commence à se voyer là, ça ne va plus. En fait, vous connectez directement la blockchain et il y a une extraction des données directement à la blockchain. Donc là, la DeFi permet ça. Exactement. C'est beaucoup plus automatisé. On a qu'à rentrer la clé publique du wallet et nous, à partir de là, on se charge de récupérer toutes les informations. Okay. Enfin, les récupérer, de les lire pour être capable de calculer les plus-values. Mmh. Ma prochaine question, c'était par rapport à la récurrence de déclarer les plateformes crypto. J'ai parlé avec une personne à Paris Blockchain Week qui me disait que auparavant, il fallait le faire tous les ans et j'avais un doute là-dessus. Enfin, moi, il me semblait que si tu ouvrais un compte, admettons, chez Binance en 2021, tu déclares en 2022. Et en 2023, tant qu'il n'y avait pas de changement
de statut, c'est-à-dire fermeture ou autre, il n'y avait pas besoin de le redéclarer. Tu peux m'en dire plus là-dessus? Est-ce que si par exemple on ouvre un compte sur Binance en 2021, on ouvre le formulaire, enfin on remplit le formulaire 3916 bis, et si on continue à l'avoir pendant 10 ans, les 10 prochaines années, est-ce qu'on doit refaire le formulaire? Alors, tu as tout à fait raison. Avant, les comptes inactifs ne devaient pas être déclarés. Maintenant, c'est à partir du moment où ils sont ouverts qu'ils doivent être déclarés. Donc, oui, on refait le formulaire. Maintenant, l'administration fiscale, cette année, l'année dernière, parce qu'ils ont fait fusionner les deux formulaires, mais ça existait les années avant. On a juste à cliquer et déjà, les adresses, toutes les infos sont pré-remplies. Donc, c'est 5 clics en plus, mais on n'a rien à mentionner pour redéclarer tous ces formulaires d'une année à l'autre. Ah, j'ai pas compris. Là, tu parles de la plateforme Wattio. Non, pas du tout. Dans l'espace en ligne de déclaration fiscale, impots.gouv, mm-hmm. Si on a déclaré l'année dernière, on va dire, 5 comptes, dont son compte Binance dont tu parlais, on ne les a pas du tout utilisés, l'administration fiscale va dire « Bonjour, on a vu que l'année dernière, vous avez déclaré ces 5 comptes. Voulez-vous toujours les déclarer ?» Oui. Et après, il y a juste à valider dans l'espace en ligne de déclaration que l'adresse n'a pas changé donc, et autres. Mais il n'y a pas, on va dire, à ressaisir, à aller chercher l'adresse, à aller chercher la date d'ouverture du compte et toutes les informations. C'est juste de la validation d'informations. La date ne va pas changer, l'adresse, grosso modo, ça ne change quasiment pas. Donc, ce n'est pas un travail, on va dire, important de reporter, c'est-à-dire de redéclarer un compte qui a déjà été préalablement déclaré les années précédentes. Mais ma question, merci pour les précisions. Ouais. Ma question, c'était, est-ce que les années précédentes, chaque année, il fallait redéclarer les plateformes? Oui. Ouais. Avant, il ne fallait pas, mais maintenant, il faut. Exactement. De quoi avant, il ne fallait pas? Donc, en fait, avant, dans la notion, si la plateforme n'était pas utilisée, il n'y avait pas ce besoin de la déclarer. Maintenant, toute plateforme qui est ouverte, qui est utilisée ou qui a été clos durant l'année, elle doit être déclarée. OK. Justement, par rapport à la date de déclaration, si une personne ne retrouve pas dans ses mails la date d'ouverture, ouais. Est-ce qu'ils peuvent mettre le 1er janvier de l'année? Ça match ou ça ne match pas? Juridiquement, c'est dur de donner publiquement un conseil et de s'engager là-dessus. Est-ce que ça match? Normalement, nous, ce qu'on on proposait, c'était de dire mettez la date de la première transaction que vous avez réalisée sur la plateforme. Ouais. Parce que grosso modo, très souvent, à 3 jours près, c'est le cas, ou la date du dépôt en euros, donc vous n'avez pas le jour exact, mais grosso modo, c'est assez logique. Donc, prenez soit dans Wattio, soit dans votre historique de transaction via le fichier ou l'API, vous voyez la date de la première transaction. Dans beaucoup de cas, c'est assez proche de la date de création, de l'ouverture du compte. C'est une proposition qui est pareille, qui est pratique, qui ne vaut pas pour un conseil du tout, un conseil fiscal, mais en cas de doute, ça permet d'avoir l'information en tout cas. Ok. Oui, on se dédouane totalement. Hein. On ne donne pas de conseil ou quoi que ce soit. Il faut se renseigner auprès d'un avocat fiscaliste. On le répétera jamais assez. Ne prenez pas tout ce qu'on dit ici pour argent comptant. Faites vos propres recherches, là ici c'est simplement de l'information. Ma prochaine question était par rapport aux plateformes qui sont PSAN, donc prestataires de services d'actifs numériques. Dernièrement, Swissborg, qui est une société suisse, a eu le PSAN donc, agréé par l'AMF en France. Mais ça n'évite pas le fait de déclarer ces plateformes-là. C'est-à-dire qu'en fait, PSAN, on a de mémoire Bitpanda, on a CoinHouse, on a Just Mining et maintenant Swissborg. Même si elles sont agréées à l'AMF, il faut faire la déclaration comme si c'était un compte à l'étranger. Alors, si le PSAN est étranger, type Bitpanda, Swissborg, oui, il faut le déclarer comme un compte à l'étranger. Après, je crois que c'est quasiment toutes, mais la très grande majorité des autres, c'est des comptes des sociétés françaises immatriculées en France, enregistrées en France. Donc, ces comptes-là, ce n'est pas des comptes étrangers, c'est des sociétés françaises. Donc, il n'y a pas besoin de les déclarer dans le cadre de la déclaration des comptes à l'étranger. Il faut évidemment le prendre en compte pour calculer ses plus-values, mais ne pas déclarer comme un compte détenu à l'étranger. Prochaine question très intéressante. Comment déclarer un scam? C'est-à-dire si, par exemple, on a mis... Alors, il y en a qui peuvent utiliser ça. J'ai vu ça un petit peu sur les différents forums. Ils peuvent utiliser ça. Enfin, on va en parler un petit peu. Mais ouais. Si tu te fais scam, c'est une perce sèche. Ouais, carrément. Comment ça se passe dans ce cas-là en termes de déclaration?
Alors, déjà, avant même de parler de déclaration fiscale et calcul de plus-value, si on a perdu beaucoup d'argent via une arnaque, via un hack, via un scam, je pense qu'on peut porter plainte. Il y a un parquet judiciaire spécialisé en cybersécurité qui fait certains travaux. Il y a des avocats, quand on parle des avocats en crypto, ils ont beaucoup de dossiers en fiscal, mais ils ont aussi beaucoup de dossiers sur ce type de sujet, donc sur des arnaques ou autres. Donc, je pense qu'il y a un premier sujet qui est déclarer auprès des forces de l'ordre, aller se renseigner auprès d'un avocat, parce qu'il y a clairement peut-être des possibilités soit de récupérer son argent ou autre. Ça, c'est un premier point. Donc, avant même de parler, on va dire, calcul de plus-value. Maintenant, calcul de plus-value, concrètement, un scam, c'est quoi ? Donc, c'est une perte de son portefeuille. Donc, d'un point de vue fiscal, on va réduire sa valeur de portefeuille et d'une façon qui va faire qu'on ne va pas utiliser cet argent. Je ne sais pas, on s'est fait hacker, on va dire, deux Ethereum où on a voulu participer à un projet scam de deux Ethereum. En gros, ça va être un retrait techniquement dans la chaîne et qui ne va pas être enregistré comme un paiement. C'est-à-dire que ces deux Ethereum, ils sont sortis de votre compte. Et donc, dans Wealthio, on a un label qui met hack et perte, et donc, ce qui permet de directement l'enregistrer comme ça. Il faut juste déduire en fait son portefeuille du montant qui est parti dans le scam, et comme ça, si après on est toujours en plus-value, comme sa valeur de portefeuille, son portefeuille de crypto aura baissé, ça va amoindrir la plus-value. Ok. Donc on peut le mettre en moins-value. Alors, ce ne sera pas enregistré comme une moins-value, ça va baisser le jour où il y aura une opération imposable, ça va baisser la valeur de portefeuille et donc, de façon logique et directe, le montant de la plus-value et donc la plus-value imposable. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Maintenant, j'avais quelques questions qui me sont arrivées au cours de notre entretien. C'est quelle est la perspective au niveau du marché par rapport à Wealthio ? Quelle est la progression ? Quel est ton œil ? Quel est l'œil de Wealthio par rapport... Il y a une étude qui est sortie par KPMG. Je crois que la stat, c'était 8% des Français avaient investi dans la crypto-monnaie. Comment tu as vu le marché sur cette dernière année, en 2020, voire début 2022 ? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre d'utilisateurs ? Comment vous l'avez vu ? Comment vous l'avez reçu, vous, au niveau de Wealthio ? Alors, évidemment, il y a une augmentation du nombre d'utilisateurs. Ça, c'est un premier point. Le crypto.com avait dit qu'entre le 1er janvier et fin juin 2021, ça fait x2 le nombre de personnes dans le monde qui détenaient des crypto-monnaies. En effet, l'étude montre qu'aujourd'hui, il y a 8% des Français, donc c'est pas loin de 5 millions de Français qui détiendraient des crypto-monnaies. Donc, clairement, on a vu le sujet. On voit, je dirais, trois tendances. Que je pourrais, en tout cas, il y en a plein d'autres, mais sur lesquels je pourrais parler. La première, c'est que les profils de personnes qui détiennent des crypto-monnaies, avant, c'était des gens très technophiles, des développeurs, des informaticiens, des entrepreneurs, bref, des gens à profil geek. Maintenant, c'est vraiment de plus en plus monsieur et madame tout le monde, des personnes en dehors des grandes villes, qui sont à tout âge, de plus en plus de femmes. Donc, ça se diversifie et ça se démocratise complètement. Ça, c'est, on va dire, une des tendances. L'impact que ça a, c'est qu'on a les personnes qui maintenant achètent des crypto-monnaies, comme je disais, sont moins technophiles. Donc, il y a toujours cet enjeu de sécurité informatique, c'est-à-dire que les crypto-monnaies, mine de rien, on parle d'argent avant tout. Et si on ne sait pas protéger ces cryptos, si on ne sait pas protéger, mettre un bon mot de passe, le protéger, mettre une 2FA, il faut avoir un certain nombre de réflexes de sécurité. Et nous, on voit vraiment beaucoup trop de nos clients qui nous disent « Ah, je me suis fait hacker » ou autre. Et je pense que c'est dommage. Donc, au tout début, parce qu'il y avait plein de logiciels qui n'existaient pas, donc il y avait aussi plein de hacks. Mais je pense qu'il y a toujours ce besoin d'apprendre sur les fondamentaux de la sécurité informatique en termes de mots de passe, en termes de comment est-ce qu'on sécurise ses coins. Et ça, je pense que ça touche vraiment toutes les personnes qui ont des cryptos. Et ça, c'est aussi une autre tendance. Et la troisième tendance qu'on a vue, c'est qu'avant, les gens achetaient des crypto-monnaies et revendaient en fait des crypto-monnaies contre autre chose. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut générer beaucoup plus de revenus passifs avec des crypto-monnaies, les bloquer, avoir du stacking, aller chercher donc tous ces revenus de DeFi. Donc, c'est beaucoup plus aventurier. On peut tester plein d'autres types de revenus. En plus de ces cryptos, on peut les prêter. Et donc ça, c'est vraiment, on va dire, les
trois sujets qu'on a vus du fait d'avoir tout le portefeuille, l'exhaustivité du portefeuille de crypto-monnaies de nos utilisateurs et de voir dans les tendances ces derniers temps. Ok. Là, on arrive sur la fin de la vidéo. Je me disais, tiens, on allait regarder au niveau des différents services que vous proposez, mais je pense qu'on en a déjà parlé. Peut-être clairement, que je l'afficherai. Sachant qu'il y a un tuto complet qui va s'afficher ici sur Waltio, comment utiliser la plateforme. Rappelle-moi, il y a un code promo aussi. Complètement. C'est Julien Roman 10, non ? Qui permet d'avoir 10%. Ouais. 10%, alors donc, on a mis en place un code promo qui permet d'avoir 10% pour tous les nouveaux utilisateurs de la plateforme. Julien Roman 10. Ok. Tu voulais rajouter un truc ? Non, j'ai bien aimé parce que c'était assez technique. On a couvert vraiment des sujets bien différents les uns des autres. Après, je pense que ce n'était pas aussi poussé que la vidéo de l'année dernière. Donc, du coup, la vidéo de l'année dernière, si vous avez des questions qu'on n'a pas abordées, le but étant de ne pas aborder des questions qu'on a déjà, auxquelles on a déjà répondu l'année dernière. Donc là, c'était spécifique aux NFT particulièrement, même si les NFT étaient déjà là en 2017, enfin, existent depuis un bail. Mais c'est vrai que c'était assez flou. On a vu que c'était encore assez flou au niveau de la fiscalité en France par rapport aux NFT. Mais toutes les questions qu'on n'a pas soulevées, on a dû les soulever. Je mettrai la vidéo en pin là-haut. Mais je pense qu'on a couvert pas mal de points. Et surtout, s'il y a des personnes qui ont des questions auxquelles on n'a pas répondu, eh ben, vous mettez en commentaire en bas et soit moi, soit Pierre ou soit un membre de la communauté répondra à la question. Est-ce que tu veux qu'on rappelle un petit peu les dates Alors moi, je suis sur Paris, alors je sais que c'est jusqu'à mai ou fin mai ou peut-être même juin, je ne me rappelle plus. En tout cas, ce n'est pas maintenant. Quelles sont les dates au niveau des départements? Je l'avais dit. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui ont déclaré des... Ouais. Il n'y a pas de département qui ont terminé. Toute la France a déjà commencé. Okay. Ça a commencé le 7 juin et ça termine entre le 19 mai et le 8 juin en fonction des départements. Ok. Ça a commencé. Ouais. Donc ça commence le 7 juin. Ça commence le 7 mai. Non, mais tu me dis n'importe quoi. Ça commence, pardon. Ça a déjà commencé. Donc ça a déjà commencé. Ça a commencé le 7 avril. Ah, et parce que tu m'as dit le 7 mai. Ah, pardon. Donc ça, pardon, on est déjà à fond dedans. Et ça va, donc ça a déjà commencé du 7 avril jusqu'à. Ça commence la fin 19 mai. Et après, pour certains, en fonction des départements, ça va jusqu'au 8 juin. En tout cas, la meilleure période pour le faire, pour pas être trop dans le stress, c'est sur fin avril, début mai. Ok. Voilà. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pierre, de ton temps. Merci de tous ces éclaircissements. Avec grand plaisir. Moi, j'adore à chaque fois faire cette vidéo-là. On l'a fait l'année dernière. Et c'est vrai que c'était une vidéo les plus vues. Tu disais que c'était la quatrième la plus vue. Comme quoi, la fiscalité, ça interroge pas mal de personnes et les gens, ils ont des questions. Et comme quoi, la vidéo était intéressante l'année dernière. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, tu simplifies les choses. Moi, je vulgarise, je simplifie l'investissement. Et toi, tu vulgarises, tu simplifies la fiscalité. Et pour moi, c'est très clair quand je t'entends. C'est très compréhensible. Et en tout cas, merci pour cette clarté-là et d'avoir répondu, en tout cas, à toutes les questions. C'était un vrai, vrai plaisir. Bah, écoute, merci à toi et avec grand plaisir pour en refaire d'autres. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Pierre. À la prochaine. Salut. Bye bye. Et voilà la session questions-réponses avec Pierre. J'espère qu'elle t'a intéressé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire juste ici. Donc voilà, je te rappelle que tu as 10% via le lien en description sur la plateforme Waltio. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et si tu n'as pas envie de te taper les 1h, voire 1h30 du temps de cette vidéo-là, j'ai un résumé de 10 minutes ici. Comment fonctionne la crypto-monnaie? Une vidéo qui parle de la fiscalité en moins de 10 minutes. D'ici là, porte-toi bien, appuie sur ma petite tête juste ici pour t'abonner. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, à plus. Ciao.